Theodora is here. And will stay here. Bonjour, c'est le Cinéma de Papa pour une nouvelle chronique sur Mort sur le Nil de Kenneth Branagh qui est sorti le 9 février dernier et qui fait suite au Crime de l'Orient Express du même réalisateur que j'avais pas trop aimé. Et sans surprise, celui-ci, Mort sur le Nil, je ne l'ai pas trop aimé non plus et je vais vous expliquer pourquoi. Donc l'histoire est celle inventée par Agatha Christie il y a bien longtemps et qui prend place lors d'une croisière sur un bateau vapeur, le Carnac. C'est donc la lune de miel de Lynette et Simon qui sont fiancés depuis peu et qui sont poursuivis par Jacqueline de Belfort, l'ancienne fiancée de Simon, qui n'arrive pas à se remettre de cette rupture. Et lors de cette croisière où tous les invités ont certaines rancœurs envers Lynette et sa fortune, puisque c'est une héritière, Lynette va trouver la mort puisqu'elle finira assassinée et Hercule Poirot qui est à bord va essayer de démasquer le ou les assassins. Donc comme pour le Crime de l'Orient Express, Kenneth Branagh a la double casquette de réalisateur et interprète de Hercule Poirot. Je dois dire que dans l'un de ses rôles, il s'en sort bien, dans l'autre un peu moins. À savoir que au niveau de la réalisation, je trouve qu'il est depuis quelques années un peu aux fraises, Kenneth Branagh. J'ai beaucoup de sympathie pour lui, je trouve que c'est un bon acteur, je trouve que ça a été un bon réalisateur même à une époque. À une époque où il faisait Dead Again, ou alors Hamlet, ou enfin là tout un tas de pièces shakespeariennes, ou même Frankenstein, qu'il avait fait avec Robert De Niro dans le rôle de la créature. Sans être de grand chef-d'œuvre, je trouvais qu'il arrivait à donner à ses films un côté abordable, parce qu'il a souvent été pioché dans la littérature, notamment Shakespeare. Il arrivait à faire de ses films une passerelle entre le théâtre, notamment, et le cinéma. Je trouve qu'il s'est un petit peu perdu en chemin, je crois que ça a commencé un petit peu avec Thor, qu'il a fait pour Marvel, ou même si on comprenait un petit peu la démarche, puisqu'il y avait une dimension un peu shakespearienne aussi dans Thor, avec Loki, Odin, voilà, il y avait des personnages très shakespeariens, il y avait des personnages qui faisaient vraiment écho au reste de sa filmographie, mais depuis il y a eu Artemis Fowl, il y a eu Jack Ryan, il y a eu tout un tas de films qui, pour moi, plutôt raté, même si à la limite son Cendrillon était pas trop mal. Je trouve qu'il a perdu son aura, hein, clairement. Il a perdu un petit peu ce qui faisait l'essence de son cinéma, et ça se vérifie encore un peu aujourd'hui, je trouve, malgré quelques trucs là dans Mort sur le Nil qui font que Mort sur le Nil n'est pas un désastre comme avait pu l'être Artemis Fowl. Mais ça pose question sur l'artiste, qu'est Kenneth Branagh. Est-ce qu'il s'est complètement perdu? Est-ce qu'il est dans une autre démarche totalement assumée depuis quelques années? Là, en termes d'écriture, le film repose sur le roman de Agatha Christie, évidemment. Il ne cherche pas à le réinventer, il ne cherche pas à le trahir à quoi que ce soit, il ne cherche pas à le moderniser outre mesure, mais il essaye de lui donner une épaisseur supplémentaire, sur deux aspects, je trouve, le background qu'on essaye de donner à Hercule Poirot, avec ce flashback introductif sur Hercule Poirot soldat pendant la Première Guerre mondiale, où on découvre ce qui a fait qu'il est devenu Hercule Poirot, ce qui l'a mis sur la voie du détective, tous les sacrifices émotionnels que ça a engendré pour lui. Donc ça, c'est ajouté un petit peu au chausse-pied au début du film. Je trouve que ça n'a pas forcément d'incidence sur le reste du récit. Alors si, on comprend évidemment la démarche, mais je trouve que ça fait très artificiel. Et la deuxième épaisseur qu'on essaye de donner à l'histoire, c'est justement, ça fait écho un peu à l'introduction, c'est toute cette dimension, tout ce laïus autour de l'amour. Parce que chaque personnage est concerné de près ou de loin à l'amour, et ses motivations, et les motivations de chacun en découlent. C'est peut-être un petit peu mal amené, je trouve, parce que c'est pas forcément très subtil, d'une part, et puis ça fait très artificiel par rapport au récit d'Agatha Christie. On a des personnes qui sont des amoureux éconduits, des amoureux heureux, des amoureux tragiques, enfin voilà, on a toute une galerie de personnages qui gravitent autour du concept de l'amour, et... ouais, ça fait un petit peu mal équilibré ou mal amené dans le récit, et je trouve ça d'autant plus dommage que l'intrigue, à la limite, suffit à elle-même. Il n'y a pas forcément besoin d'en rajouter des caisses. Le premier film, à la limite, Le Crime de l'Orient Express,
allait beaucoup plus à l'essentiel. C'était une enquête dans le train, voilà, et puis on interrogeait les témoins, et on cherchait pas à rendre, à inventer une mythologie déjà autour de d'Hercule Poirot, et on cherchait pas non plus à rendre les personnages plus tragiques qu'ils ne le sont, finalement. Là, on essaye de donner trop de consistance aux personnages, et finalement, ça a l'effet inverse, parce que les personnages, finalement, sont très interchangeables dans le récit, que ce soit le personnage d'Annette Bening, ou celui de Jennifer Saunders, finalement, ce sont des personnages très similaires, le personnage du cousin, le personnage de l'ancien amant, enfin voilà, ce sont des personnages qui sont finalement assez peu définis, et on finit par les repérer dans le récit par rapport à leur statut sentimental, et je trouve que c'est un petit peu stupide. À titre personnel, j'ai trouvé ça assez stupide. En termes de réalisation, comme je disais, il y a eu un tournant dans la carrière de Kenneth Branagh, je le situe à peu près en 2011 avec Thor, mais c'est cet usage du numérique, ou en tout cas des effets spéciaux, qui me dérange un petit peu dans son cinéma. Et pourtant, le film a été tourné en pellicule, mais tous ces apports numériques derrière font que le film a l'air plus artificiel que le dernier Marvel, par exemple. Donc c'est un petit peu dommage, parce que le contexte du film, l'Égypte, aurait pu être justement une démonstration visuelle superbe, mais c'est pas le cas. Je trouve que ça a l'air fake, chaque image a l'air fake, que ce choix d'étalonnage très vif, très saturé, fait que c'est un petit peu... oui, ça rend trop artificiel, en fait. C'est peut-être la définition même du film, finalement, c'est ce côté artificiel. Il y a certaines idées de mise en scène, parfois, avec cette espèce de travelling, avec ces fenêtres qui déforment un petit peu les points de vue et tout ça. Ouais, c'est un petit peu léger. À côté de ça, il y a quand même des choix pas terribles, notamment des choix de cadre qui sont complètement injustifiés, sous l'eau, enfin voilà, bon, évidemment, il y a des trucs qui se passent sous l'eau, donc ça peut prendre sens, mais les plans en eux-mêmes sont pas très jolis, ils apportent pas forcément grand-chose. Et ce parti pris visuel, au moment de la résolution, avec cette désaturation partielle, c'est-à-dire un élément de couleur dans un noir et blanc, ça, je trouve ça affreux, en termes d'image, j'ai toujours trouvé ça dégueulasse. Même dans Sin City, par exemple, qui fait usage de ça, alors ça pouvait justifier dans Sin City parce que c'était... quelque chose qui était dans la BD de Frank Miller, mais en général, je trouve ça assez immonde et pas manqué, en fait. Voilà, dans ces scènes-là, j'ai trouvé que c'était dégueulasse. Et donc, ces choix de mise en scène, ces choix même de transition entre les scènes, ça fait peu abouti, je trouve. Et pourtant, le film a eu un temps assez record pour la post-production, puisqu'il devait sortir en 2020, il est sorti 2 ans après. Donc il aurait pu peaufiner un petit peu plus les détails, notamment le rajeunissement numérique de Kenneth Branagh au début du film, que j'ai trouvé vraiment très laid aussi. Et donc voilà, ces différents aspects de réalisation que j'ai vraiment trouvé caractéristiques de la tournure que prend la carrière de Kenneth Branagh, et qui m'ont carrément sorti du film. En termes de casting, on a un casting quand même beaucoup moins prestigieux, je trouve, que le premier volet. Le premier volet, on avait William Dafoe, Johnny Depp, Penelope Cruz, enfin voilà, tout un tas d'acteurs qui faisaient un casting quand même 5 étoiles. Là, on est moins dans ce prestige-là. On a quand même Annette Bening, on a certains acteurs assez connus, mais pas de grands acteurs, je trouve. Gal Gadot, par exemple, qui joue donc Lynette, la victime du film, qu'on voit à peu près la moitié du film. Je trouve qu'elle est vraiment très limitée dans son jeu. Donc quand elle fait Wonder Woman, ça va, parce que elle joue une espèce de femme très puissante, un petit peu monolithique, voilà. Donc là, ça peut passer. Dans le cadre du rôle d'une femme un peu tourmentée, un petit peu inquiète, je trouve que ça le fait pas, quoi. Elle montre pas assez d'émotion, elle montre pas assez de nuances dans son jeu, et ça me pose, je trouve que ça pose problème quand même pour un rôle principal. On a Russell Brand qui joue un ancien fiancé, enfin un ancien amant de Lynette, qui lui est plus sobre que d'habitude, parce que c'est un acteur normalement qui joue dans pas mal de comédies, qu'on fait souvent des caisses, et que bon, voilà, qui est sympathique, mais là en tout cas il a un rôle beaucoup plus sérieux, beaucoup plus beaucoup moins expressif que ce qu'il a l'habitude de faire.
Et enfin, du coup, c'est pas trop mal, même si son personnage est un petit peu expédié quand même, je trouve. On a Armie Hammer qui joue Simon, donc l'amant, enfin le fiancé de Lynette. Je trouve que c'est un acteur plutôt intéressant de base, Armie Hammer. Maintenant, c'est un acteur aussi qui a des problèmes dans sa vie privée avec des accusations d'agression sexuelle et d'agression de cannibalisme même. Donc bon, c'est pas mon problème là, mais en tout cas dans le cadre du film, puisque les accusations sont apparues après la réalisation du film, ça me pose question parce que j'ai l'impression qu'au début du film, il est là à peu près normalement, et que à un moment, après le crime, il est vachement en retrait, et qu'il réapparaît comme ça pour la résolution finale, mais que en fait, enfin, je me demande s'il a été du coup évincé du montage suite aux accusations. Ou est-ce que ce personnage de Simon est autant en retrait dans le roman et dans le film de John Guillermin qui était sorti dans les années 70? Est-ce que c'est un parti pris suite aux accusations ou est-ce que le personnage est écrit ainsi dans les précédentes œuvres? Ça, c'est une question parce que c'est plus très frais dans ma tête, donc n'hésitez pas à y répondre en commentaire si vous avez la réponse. Voilà. En termes de casting, voilà, je trouve que c'est assez anecdotique finalement en termes d'interprétation. On n'a pas... bon, dans le premier film non plus, c'était pas non plus de l'acteur studio, mais il y avait quand même de grands noms qui faisaient que bon, les personnages étaient un petit peu plus consistants, peut-être. Là, peut-être pas. Alors, si, il y a Emma McKay qui se sentire bien dans le rôle de Jacqueline, donc l'ancienne fiancée conduite. Mais à part ça, il n'y a pas de grandes interprétations. Kenneth Branagh dans le rôle d'Hercule Poirot est plutôt pas mal. Son accent est souvent critiqué, mais je trouve qu'à la limite, ça fait partie du côté un peu grotesque du personnage. Là où c'est un peu plus compliqué pour le personnage d'Hercule Poirot, c'est justement tout ce background qu'ils ont essayé de créer pour quelque part désacraliser le personnage, lui apporter peut-être une touche d'humanité qui lui manque, qui lui fait défaut habituellement. Y a ça, il y a cette démarche-là d'écriture, mais à la fois la réalisation essaye sans cesse de l'iconiser à outrance, avec des ralentis, avec des choix de cadre, voilà. Et du coup, y a deux trucs qui vont pas, en fait. Il y a deux trucs qui s'opposent et qui font que la démarche de Kenneth Branagh est pas très claire quant au personnage, même si lui, dans le rôle, il est plutôt bon, quoi, finalement. On a la musique de Patrick Doyle qui est plutôt sympathique. Patrick Doyle, c'est celui qui accompagne depuis des années Kenneth Branagh dans tous ses films. Malgré tout, ça ne suffit pas à donner une ampleur incroyable au film. Donc la musique devient aussi anecdotique finalement. Donc voilà, c'est un film comme... Enfin, le mot qui me vient comme ça, voilà, ce serait artificiel finalement, parce que la démarche est peut-être un petit peu... manque un petit peu de sincérité. Peut-être que le film est fait trop fabriquer en fait. Et ça m'a sorti bien souvent du film. C'était déjà le cas sur Le Crime de l'Orient Express. Peut-être qu'il y a du mieux quand même dans celui-là. Un petit peu. Du mieux sur certains aspects, pas sur le casting, mais sur certains aspects. Mais ça ne suffit pas, voilà. Je pense que ce sera un film que j'aurai oublié très prochainement. Donc voilà, c'était mon avis très rapide sur Mort sur le Nil de Kenneth Branagh, qui est sorti le 9 février 2022 au cinéma. N'hésitez pas à aller le voir pour vous donner un avis et revenir en commentaire me dire si j'ai raison ou tort de m'en prendre au film. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne et je vous souhaite une bonne journée. Ciao !